Hermon, c'est une histoire qui m'est venue parce que j'ai des liens avec l'Espagne, vu que je suis marié à une Espagnole. Et son papa avait fait la guerre civile. Et après le décès de mon beau-père, donc j'ai eu envie de lui rendre hommage en créant ce personnage d'Hermon, qui est un petit garçon d'une douzaine d'années et qui va vivre les cinq premiers mois. Enfin, on suit avec lui les cinq premiers mois de la guerre civile. Voilà. C'est donc une histoire qui se passe à Bordeaux. C'est 10 années, de 1935 à 1945. Donc 10 années qui couvrent le Front Populaire pour ce qui est de Apprenti, le premier tome. Et pour les deux tomes d'ouvriers, c'est l'occupation, la guerre et l'occupation. Voilà. Et ça finit par, dans le troisième tome, il y a une histoire d'amour puisque mon père rencontre ma mère. Voilà. Oui, alors ça va s'appeler Dolores et c'est la quête. Alors c'est un livre sur la mémoire, à la fois la mémoire collective et la mémoire personnelle d'une personne âgée donc, qui se met à parler espagnol. Donc sa fille va se poser des questions et c'est la quête de cette fille jusqu'à Madrid où elle recherche le passé de sa mère. Voilà. J'ai un site, c'est www.libredimage.com. Non, .fr, pardon. Je suis Valérie Martin, je représente la société d'édition BD Musique qui existe depuis une dizaine d'années à peu près. Et donc l'idée c'est de réunir donc différents artistes autour d'un album et de proposer un album qui mélange le dessin et la musique. Donc on propose à un illustrateur de bande dessinée ou un peintre varié et de faire une bande dessinée originale sur un artiste de son choix, que ce soit dans le domaine du jazz, de la chanson française, du blues, éventuellement de la musique classique, même au niveau du cinéma. On a aussi des albums autour des bandes originales de films. Donc cet artiste va faire une bande dessinée qui peut être très anecdotique en rapport avec la vie de l'artiste ou alors illustrer uniquement l'univers musical de l'artiste. Et puis donc une discographie associée à deux CD qui accompagnent l'album. Voilà. L'idée première, c'est de faire en sorte qu'un artiste dans le domaine du dessin puisse poser un regard sur un artiste qui est plus musical, donc que ce soit un chanteur ou un musicien, et d'entrecroiser un petit peu les sensibilités artistiques et de proposer voilà, une nouvelle approche de la musique ou du dessin pour que les choses s'entrecroisent. C'est Pablo qui est présent sur tout le festival, qui fait des dédicaces et qui a illustré les albums de Gainsbourg et de Bob Dylan. Bonjour, je m'appelle Pablo, je suis peintre illustrateur et depuis quelques années je bosse pour BD Musique. J'ai fait un album sur Mozart, un album sur Gainsbourg et un album sur Bob Dylan. Et donc, les styles varient d'un album à l'autre. Il y a des albums, moi je suis plus dans la peinture, donc c'est pas du tout de la bande dessinée, c'est plus des tableaux illustrés, illustrant la vie de l'artiste sur des périodes clés, on va dire, de sa vie, de leur vie, selon les artistes. Et puis voilà, Bob Dylan me semblait avoir besoin de noir et de blanc, donc je l'ai traité à l'encre de Chine. Le Gainsbourg, ben, c'est plus de l'huile avec beaucoup de couleurs. Puis voilà, on essaie de varier un peu les plaisirs selon les musiques et selon ce que ça nous inspire. Donc
je travaille souvent en extérieur, je peins sur le paysage ou en atelier, et je suis plus dans les expositions en fait. L'illustration, c'est une partie, on va dire, de mon travail, mais la grosse partie se passe dans l'atelier, en peinture, avec des personnages, des objets, je peins un peu de tout. Mais c'est vraiment la peinture, mon truc. Page Facebook, c'est Pablo French Painter, et le site, c'est atelierdepablo.com. Alors, nous sommes présents sur pas mal de festivals et de salons du livre en France, et nous avons un site internet qui s'appelle BD Musique, et donc vous pouvez tout à fait commander en ligne et avoir toute la palette des sorties d'albums. Il y a à peu près 180 références, et donc il est tout à fait possible d'acquérir ces albums via internet. Je suis Nathalie Terrachet, je suis de la région PACA et j'ai créé une maison d'édition de produits dérivés que j'ai appelée Art BD. Et donc je me suis spécialisée dans l'exploitation d'artistes atypiques, comme on peut voir ici, qui ne sont pas de la BD classique, qui sont vraiment issus de BD plus artistiques. Donc voilà, ça fait 4 ans maintenant que j'exerce ce travail. On peut me suivre sur ma page Facebook Art BD, et j'ai aussi un profil associé qu'on peut trouver facilement. J'ai un site internet commercial où on peut trouver tous mes produits, que l'on peut aussi trouver dans certaines librairies spécialisées BD en France, qui sont mes vitrines, on va dire, locales, puisque moi je n'ai pas d'outils physiques. Mais voilà, je fournis des librairies spécialisées BD, et ici à Toulouse, le BD Fugue. Bonjour, je m'appelle Éric Ventier, je suis scénariste de bande dessinée et écrivain, et aussi éditeur chez Commune Orange, qui est un éditeur associatif basé à Angoulême et qui fait du livre jeunesse et de la bande dessinée, plus du roman graphique. On est un groupement d'auteurs qui, en fin de compte, éditons chez Commune Orange les choses un peu trop bizarres, un peu trop particulières, un peu trop hors normes, qu'on n'arrive pas à placer chez les autres éditeurs plus institutionnels. Voilà, donc des choses un peu bizarres. Un peu bizarre, soit par le sujet. On a par exemple un livre jeunesse très engagé contre le travail des enfants, avec des dessins très noirs, ça finit très mal, et dès qu'on se marie pas à la fin et qu'on n'a pas beaucoup d'enfants, bah, dans l'édition classique, c'est difficile. Des romans graphiques avec des formes bizarres, sur des formes petits formats à l'italienne, en noir et blanc, avec des sujets un peu fouillés, un peu compliqués, c'est pareil, pas question de les faire chez nos éditeurs plus classiques. Et c'est pour ça que nous, on a créé ça. On a des choses comme un dessinateur qui s'est cassé la main droite, la main qui dessine, et qui pendant un an a tenu un journal avec la mauvaise main. C'est tellement mal dessiné au début, que bon, c'était pas possible non plus. Voilà, des choses qui sont atypiques par la forme, par les sujets qu'elles traitent, la façon dont elles les traitent.
Voilà. Oui, alors notre site, c'est pas compliqué, c'est communeorange.com et il y a tous les contacts, la présentation des livres, les liens vers les blogs des auteurs, etc., etc. Alors, moi je fais partie du collectif Dédale Édition et donc on est venu au festival pour présenter nos livres qui sont la revue Dédale qui ont donc il y a 3 numéros de sortie. Donc, c'est une revue collective qui présente le travail d'une quinzaine d'auteurs à chaque fois sur un thème commun. Nous avions le thème du labyrinthe, du masque et de la tempête. On a aussi des livres, des récits longs d'auteurs qui permettent à nos auteurs du collectif de développer leur histoire personnelle et tout leur univers graphique. Voilà. Le site dédaleédition.com ou sur notre page Facebook. Oui, bonjour. Alors, je suis Colline Miaille et donc je coordonne cette structure culturelle qui est une structure un petit peu particulière puisqu'elle prend place à l'intérieur d'un bus. Donc, c'est un espace culturel qui est principalement dédié au jeune public, mais pas seulement, et qui propose chaque année une programmation artistique, donc plutôt dans le domaine des arts visuels, arts plastiques et arts visuels au sens large, en itinérance sur le département de l'Ariège. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics dans des lieux un petit peu isolés géographiquement. Et donc cette année, on a été invité par le festival de BD de Colomiers pour accueillir l'exposition de Michael Jourdan, donc qui est le prix découverte du festival de l'an dernier. Alors nous, en fait, on est le Blus, on est un atelier itinérant d'expression plastique et de sérigraphie artisanale. Et on propose du coup des ateliers participatifs autour de la sérigraphie. Donc pour le festival BD La Colomiers, on propose aux gens d'imprimer l'affiche du festival en 2 couleurs ou d'autres visuels en impression papier ou textile. Alors, la sérigraphie, c'est une technique d'impression, une technique d'imprimerie qui permet en fait d'imprimer sur différents supports, sur papier, sur textile du coup. Il y a aussi la sérigraphie sur verre, sur métal, sur bois, enfin, c'est assez large. Et en fait, on utilise une sorte de pochoir, ce sont des écrans. Traditionnellement, ils étaient en soie, maintenant ils sont plutôt en polyester. Et voilà, c'est une succession d'impression, enfin si on fait d'une couleur, ça va être une seule couleur avec un pochoir et sinon ça va être plusieurs pochoirs qui vont être mis les uns sur les autres pour créer en fait une affiche. Alors avec le Blus, du coup, comme on est itinérant, on se balade un peu partout. Après, on est basé à Lyon et voilà, on a un site internet qui s'appelle www.leblus.com. On a un Facebook aussi, je ne sais plus exactement l'adresse du Facebook, mais sinon il y a un lien Facebook via notre site internet. Après, il y a un formulaire de contact aussi via le site où vous pouvez nous contacter, nous proposer des projets et on vous répondra avec grand plaisir.